J'espère que vous allez bien. Moi je suis malade, ça s'entend. Mais bienvenue dans ce premier épisode de Vlogmas. On va essayer de se tenir au Vlogmas jusqu'à Noël. C'est très longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Donc en vrai, je vais juste ranger mes courses. Après, je pense que je vais retourner dormir un peu parce que. Parce que je suis claquée. Et j'ai pas la forme. Voilà. Retourner dormir. Un petit peu. Après, je vais bosser. Et voilà. J'ai un colis qui doit arriver aujourd'hui. Donc c'est ça. C'est sympa. Et demain, on part en petit trip à Lyon, à Saint-Étienne. Donc, il y aura des choses plus intéressantes à faire demain que cette semaine et la semaine prochaine. Mais vous verrez tout ça. Allez, on range les courses. Soleil frappe autant que tes mots qui font mal. Quand je te dis que je t'aime, c'est sûrement éphémère. J'ai mes mots qui s'en mêlent et le cœur qui s'emballe. Est-ce que c'était nécessaire? J'ai seulement besoin de toi de temps en temps. Y'a pas pire que le mal pour le bien, c'est un mensonge. Tu me voulais juste loin de toi pour que tu regardes au toit devant. J'avance au 3-8-4, je suis loin de toi. Yeah. Tu me voulais juste loin de toi. Pour que tu regardes au droit devant, j'avance à 3-8-4, c'est loin de toi. Yeah. Laisse-moi te lire le fond de ma pensée. Laisse-nous mourir jusqu'au risque de blesser. Laisse-nous finir cette nuit dans mes bras. Laisse-moi savoir ce que les autres ne savent pas. Oh. La lumière, elle est pas ouf. C'est mieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire un unboxing. Zara. Et là, on va ouvrir ensemble et on va faire un TikTok en même temps. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu malade, mais aujourd'hui, on va faire un unboxing. Je commande des trucs, j'oublie ce que j'ai commandé. J'ai commandé un haut comme ça. Bon, là, je ne vois pas de ouf, mais c'est un top. Genre, il fait un peu Pamela Anderson, you know. So cute. J'ai pris en taille S, normalement ça devrait aller. Et j'ai pris ça, la jupe short. C'est ça, je ne sais pas si je vais rentrer dedans. Et c'est mini skirt or shorts, you know, a skirt and a short, skort, comment on dit. Ça j'ai pris en taille M, je sais pas du tout si ça va rentrer, donc je vais essayer. Excuse me, what, can you see it? J'ai jamais eu des boobs comme ça de ma life, c'est incroyable. Anyway, TikTok. Excusez-moi, ça fait des tits de fou. C'est incroyable, j'ai jamais eu des titties aussi haut de toute ma vie. TikTok, I'm 25, please. Don't ban me.
point, I think. C'est à ça que ça ressemble. Le haut est super, franchement. La jupe, it's short. J'ai toujours voulu essayer les mini-jupes, tu vois. Mais vu que c'est mini, et que moi j'ai des grosses fesses, toutes les mini-jupes classiques, je les essaye, elles arrivent à la moitié des. It's not happening, c'est pas possible. But this is cute. Damn. J'ai froid, mais I'm hot. Mais c'est court, quoi, par contre. But I love it. Ha! Et j'adore. Bon. Si vous cherchez une jupe short, to try the mini skirt trend, this one. Il y en a même en gris, mais il n'y en avait plus. Et puis, voilà quoi. Si vous devez acheter une chose, c'est ça. C'est ça. The instant boob job. This one. Please, buy it. Thank you. I love you. Bye. No, that's too much. Bye. Excuse me, but Vlogmas. Pipped the slippers, but what? Look at that! Look at the boob job. The boob job. The instant boob job. This fit is fitting though. I was thinking of wearing this and the skirt with like fishnets de Parisie to be provocative à fond. Ou sur des collants classiques là, mais avec en pointelle avec les points. And soit this one or this one. But that's a look. It's incredible. Buy it. Wow. I never had titties like this in my life. Damn. But that's the reality, but il est 14h là. Il est 14h. 14h14. J'ai froid. Et j'ai faim. C'est l'heure de ma pause donc je vais manger. Après je vais ranger un petit peu l'appart. Je vais pas vous montrer. Quoique peut-être. On verra. On verra. Et après je pense que je vais arrêter la vidéo là. Pour commencer le montage. À peu près vers 16h30, finir ou plus tard avant 20h30, comme ça je vous la poste et demain on continue. Les joies de Paris. Là, je vous avoue, j'ai la flemme de cuisiner donc je vais juste réchauffer ce que j'ai commandé hier. Et oui. Voilà, I'm sorry. Je suis épuisée. J'ai même pas pris un médicament, c'est trop là. Après un médicament aussi, putain. Je vais chauffer les baos. En même temps, je vais remplir le lave-vaisselle. Voilà. Et j'ai pas de micro-ondes, donc je suis obligée de tout chauffer à la poêle. Les joies de.
C'est sombre un peu là. On va mettre de la lumière un peu. Lumière. Ok. C'est beaucoup mieux. Alors. Je sais pas. Tous les jours je nettoie cette plaque, tous les jours il y a un nouveau truc, c'est incroyable. Anyway. On va poser celle-là. On va les lumer. Hop. Non, this one. Ok. On va poser les barres au-dessus. Je vais vous faire un petit tour vite fait de la base. Salut. I look like a crazy lady. Don't look at me. Ok. Donc, là c'est un petit peu le bordel. On m'excuse. Mais en gros, c'est comme ça. On a le petit coin canapé. Avec la télé, le petit bar qui va finir. Là, je vais mettre des vinyles. Il manque un truc, c'est tombé. Bref. Mais je vous présente mes nouveaux enfants qui sont arrivés hier. On a Alicia, Anastasie, Javot, and there. Attendez, je zoome. Zoom. Oh, come on. Et là-bas, on a Giselle. All my ladies. I'm a plant mom now. Ouais, actually, quand j'étais au Gabon, c'était déjà une pleine pomme, je plantais. J'ai fait pousser un avocatier, il a 2 ans maintenant.
Il a un prénom incroyable aussi, je crois que c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques l'avocatier. Ouais. Me and my plants. We have a love story. Backlit, yes. De toute façon, t'as pas besoin de voir comment sèche les dégueulasses. Donc, bah voilà. Est-ce que je vous ai fait le tour? Non. Attendez, on va faire un 360. Donc, là, on a l'espace canapé, tout ça. Et un tableau qui est tombé. Ouais. Ça va. Les petits meubles, les rangements, les sacs, tout ça. La télé. Miss Alicia. Un autre meuble avec mes enfants. Et tout mon bordel. La bouffe est là. La plupart de la bouffe est là. Et en dessous, là-bas. Reste tous les papiers importants. Là, c'est tout le truc arrangé. Là, c'est normalement là où je pose mon ordinateur. Mon ordinateur, mon iPad, ouais, tout ce qui est high-tech, c'est là. Et là, normalement, c'est juste du display, but... Il y a toujours du bordel, comme d'hab. Les livres en haut, il y a mes albums de BTS, des livres que je dois lire. Et des livres que j'ai déjà lus. Bref, voilà. Après, tu tournes ici. You have the bar. Le bar, etc. Bon, là. Je viens de pas en manger, donc c'est une bordel. That's it. Then you have this little wall. Avec le papier peint que j'ai mis toute seule. Et mon petit miroir. Et voilà. Mes bottes. Il n'y a pas de place pour le ranger. Donc elles font partie de la déco du salon. Et ouais. Les loups. Trinkets. Je ne monte pas ma chambre parce que c'est un bordel. Très clairement. Je ne monte pas le bordel que c'est ma chambre. Vous avez vu un petit bout normalement. Mais c'est tout. La salle de bain, c'est un bordel, donc je ne mange pas. Peut-être un jour, sinon, voilà. Je vais manger mes barreaux. Je vais manger mes barreaux, prendre mes médocs et commencer le montage de ça. Bon, c'était pas le jour le plus intéressant, mais demain, ça devrait aller mieux quand même. Donc, on se dit à demain. Bisous!